soir chez vous, Philippe Gueluc. Ouais. Caroline Diamant. Ouais. Jean Benguigui. Ouais. Gérard Miller. Ouais. Annie Lemoine. Ouais. Et le retour de Maureen Dor. Ouais. Quelle jolie fleur. Annie. Merci. Je savais pas que ça poussait ici. Et non, enfin, mais ça... au-dessus en tout cas. C'est encore un peu l'été quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ça bourgeonne. Non. C'est très joli ce que vous portez. Ah merci, c'est gentil. Non, vraiment, quand et on voit. Dessous, et en dessous, c'est magnifique. Quoi, quand on voit quoi? Quoi? C'est pas joli ce que je porte? Non, non. La non, mer... c'est bien, ça fait un peu dame pipi la mémé là avec le truc. C'est le cardigan qui fait ça. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des merceries encore ouvertes dans ce pays. Oh non. Écoutez, en tant que dame pipi, je me suis fait un fric dingue, alors merci. Sur le site qui t'est consacré et que j'ai regardé, toutes tes tenues, je crois, sans aucune exception, sont photographiées sur Internet. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas une, deux ou trois photos, il y en a des dizaines, sinon des centaines de photos de Caroline. Que, ben, quand on dit que vos tenues sont photographiées, c'est vos tenues, mais sans vous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vos tenues d'un côté et vous à poil de l'autre. Ça va bien, Maureen? Ça va très bien. Vous nous montrez vous aussi un joli décolleté. C'est rare de vous voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, vous... oui, je suis un petit peu bronzée. Il me reste un petit reste. Voilà. Ça, c'est bronzé, ça. Ah oui. Ah bah oui, pour un Belge, pour un Belge, c'est bronzé. Pour moi, c'est bronzé. C'est rare de la voir comme ça. Si Laurent, vous veniez dans les douches avec nous après l'émission, vous la verriez un peu plus souvent. Je ne suis pas aussi pervers que vous, Gérard Miller. Bon, on a pas une douche pour tous les chroniqueurs, ah oui. Donc on est bien obligés. J'ai ma douche personnelle, si vous veniez. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Thierry Henry qui a marqué le but libérateur des Bleus hier soir contre l'Irlande à Dublin. Et c'est donc à la 68e minute que le président Chirac réveillait tout l'hôpital du Val-de-Grâce en criant « Allez les Bleus !» Et croyez-moi, crier « Allez les Bleus !» quand on a un hématome, c'est pas facile. Bravo les Bleus, titrait en tout cas François ce matin. L'horizon est bleu pour le journal L'Équipe. Superbe à la une du Parisien. Les Bleus n'ont pas manqué d'air, jeu de mots pour le journal 20 minutes, qui fait match nul d'ailleurs avec Libération et son Air France à réaction. Oh. Bref, les Bleus étaient heureux, mais comme on le voit sur cette photo, les Irlandais étaient verts. Gérard, ce qui est pratique avec le foot, c'est que c'est un sport où il y a tellement peu de buts qu'il suffit de ne pas regarder les matchs et d'écouter à la suite ce qui s'est passé. Et je suis aussi au courant de vous de ce qui s'est du match. Ah oui. Bah comment oui. Il a marqué Thierry Henry alors? De la tête. Non. Non. Des pieds. Du pied. Ah bien. Ah oui, vous êtes nul, Gérard. On avait une chance sur deux. On a gagné, certes, mais attention à l'euphorie, prévient Raymond Domenech, le sélectionneur. Toujours un peu rabat-joie quand même, Domenech. Hein. C'est sûr que Domenech, nec, c'est loin d'être sort sourire. Hein. Il faut dire quand même, il a raison, Domenech, de s'inquiéter qu'à la 71e minute, sur cette action qu'on voit en photo, Zinedine Zidane s'est blessé et a ressenti une douleur aux adducteurs. C'est quand même terrible, parce que s'il ne peut pas jouer les prochains matchs et qu'on veut continuer à gagner, ben vous allez voir qu'on va être obligé de faire revenir Thierry Roland aussi. Hein. Allez, une autre photo, celle de Dominique de Villepin, l'homme qui énerve Sarkozy, titre Libération ce matin. Et c'est vrai que la réussite de Villepin, au bout de ses 100 jours comptabilisés, sa réussite, c'est surtout que le Premier ministre ait réussi à s'imposer en concurrent direct de Nicolas Sarkozy. Sarkopin et Villezy, c'est le duel que tout le monde va suivre d'ici à 2007, ou même d'ici à la semaine prochaine, si le président Chirac va aussi mal qu'on nous dit qu'il va bien. Et franchement, quand on voit le sourire de Sarkozy sur cette photo, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter sur la santé réelle du président de la République. Gérard? Est-ce que je suis de parti pris en disant qu'en 100 jours, à part le contrat nouvelle embauche, c'est-à-dire ces contrats qui permettent pendant 2 ans à des gens de travailler sans être sûr de continuer, à part ça, je ne vois pas une mesure vraiment importante prise par le gouvernement? Est-ce que je me trompe? Est-ce que quelqu'un peut... Les chiffres du chômage ont baissé. Vous savez très bien que les chiffres du chômage ont baissé uniquement pour des raisons de calcul. Et M. Raffarin n'est plus là. Ça, c'est quand même un truc positif, Gérard. Vous l'oubliez, ça. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. Et Jacques Chirac est à l'hôpital. Il s'est donné 100 jours pour redresser la France et 7 jours pour redresser le président, en tout cas. D'ailleurs... Mais...
D'ailleurs, à propos de la santé du président, s'il nous regarde, on lui souhaite au passage un prompt rétablissement. S'il nous regarde, on espère qu'il nous voit. J'ai là-dessus un point de vue simple. Un malade, même s'il est président de la République, a le droit à tous les secrets qu'il souhaite, lui. Il n'y a personne qui a matière à lui donner des ordres en la matière. Tu as raison. Fait ce qu'il veut. Tu as raison, Gérard. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Non, mais il y a un truc quand même qui est amusant dans cette histoire. Amusant, si on peut dire. Mais oui, c'est qu'il ait quitté l'Élysée, effectivement, clandestinement, quasiment. Sarkozy, oui. Pas au courant. Et ça, c'est une histoire incroyable. Parce que le message codé, Vega quitte l'Élysée, d'abord... C'est super codé. Hein. Vega, c'était son oui, surnom, oui. N'a pas été diffusé sur toutes les fréquences. Et donc, le ministère de l'Intérieur et les gens qui étaient censés le surveiller ne savaient pas. La préfecture Nicolas non Sarkozy plus. Est furieux, d'ailleurs, il le dit ce matin. Ouais. Normalement, il aurait dû être au courant en tant que ministre de l'Intérieur. Absolument. Bon. Jacques Martin aussi, hein, qui nous regarde et qui a gardé tout son humour, nous fait savoir « j'ai pas de bol quand même », dit Jacques Martin. Quand même, franchement. Sarkozy m'avait piqué Cécilia et Chirac m'a piqué ma chambre d'hôpital. Salut Jacques. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de M. Chirac, de Dominique de Villepin, de Nicolas Sarkozy, ou même de François Bayrou, le numéro 1 de l'opposition au gouvernement. Va falloir quand même s'inquiéter de la santé du Parti Socialiste, parce que manifestement, ils ont l'air en plus mauvais état que le président au PS. Le PS ne voit plus rien, le PS ne parle plus, c'est pas un petit accident cardiovasculaire, c'est une paralysie entière au PS. À croire que tous les canaux de Hollande sont bouchés et qu'on nous dit rien. Hein. Gérard. Ah non, mais vraiment pas mieux que ce que vous venez de dire. Je trouve le Parti Socialiste en dessous de tout, absolument. Une autre photo, celle de Lance Armstrong, l'homme qu'on a piqué sur la Lune et qui se dit prêt à redonner un coup de pédale, un petit coup de pédale pour le vélo, un grand coup pour le journal L'Équipe, parce que l'humanité, il lit pas. Il confirme en tout cas Armstrong son idée de finalement participer à un 8e Tour de France pour faire taire les rumeurs de dopage et surtout emmerder les Français, a-t-il dit. Bon, il hésite encore à cause du prix du carburant, parce qu'en fait, c'est pas Armstrong qui est dopé, c'est son vélo qui est entièrement truqué, il faut le savoir, ça. Ce qui n'est pas certain, c'est qu'il vienne vraiment en France parce que M. Bush, son ami, lui aurait proposé un tour de la Louisiane en pédalo. Allez, on passe au tennis. Eh oui, tennis avec les quarts de finale de Flushing Meadows qui opposaient hier Emmeline Mauresmo à Marie Pierce. C'est la Française qui a gagné. Et on termine avec Alain Delon et ses troubles cardiovasculaires. François nous en fait 3 pages. En fait, Delon s'aime trop et ça lui donne de la tachycardie. Et surtout, il y a un truc qui énerve Alain Delon, c'est qu'il n'y a pas un seul domaine où il acceptera que Belmondo ait une longueur d'avance sur lui. Nous allons maintenant accueillir Michael, surnom le leader du désormais célèbre groupe rock français Mickey 3D, qui a cartonné cet été avec son titre Matador. Après 3 victoires de la musique en 2004 et des chansons, des tubes incontournables comme Respire, Johnny Rep ou Je m'appelle Jen, un duo avec Jen Birkin, Michael Furnon est devenu, on peut le dire, le chouchou du public français. Et dès le mois de novembre, Mickey 3D sera en tournée dans toute la France et notamment le 9 novembre au Grand Rex. Le voici sur notre plateau, Michael Furnon. Bonjour, bienvenue et bravo, parce que c'est vrai que ça marche pas mal pour vous depuis quelques années maintenant. Il y a eu quand même des années de galère avant d'en arriver là, enfin si ce n'est de galère en tout cas de scène, d'anonymat on va dire, jusqu'à la célébrité avec ces chansons et ces tubes que vous collectionnez quand même depuis 3-4 ans maintenant, non ? Ben, on le fait pas exprès, mais pendant 15 ans, il n'y en a pas eu, mais maintenant il y en a, c'est bizarre. Et alors je trouve que non seulement il y a les chansons que vous faites, que vous interprétez, mais il y a aussi les clips qui sont à chaque fois très très originaux dans des genres différents, que ce soit pour Respire ou là Matador qu'on a vu pendant tout l'été. Et qui travaille les clips à chaque fois pour vous ? C'est des gens différents à chaque fois, on nous propose des trucs et on essaye d'aller vers les gens qui ont un peu... enfin quelque chose qui nous plaît, quoi. Alors un extrait du dernier clip, Matador, que vous avez certainement vu cet été. Je n'ai pas peur des Américains, ni des cons, ni des politiciens, mais j'ai peur de t'attraper la main et que tu m'esquives encore. Je ne sais pas si cet amour est fort ou s'il ressemble à la chasse au trésor. Si t'en veux pas, sache que je le déplore et que je m'excuse encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je te préviens.
t'adore, qu'un jour je t'aurai à l'or. Matador, Mickey 3D, en tournée à travers la France et de passage à Paris au Grand Rex le 9 novembre. Il y aura l'année prochaine le Zénith de Paris, ce sera le 3 mai 2006. Et ce week-end, si je ne me trompe, vous êtes à la fête de l'humanité. Ah, oui. J'irai vous écouter. Ah, bah, ça fait plaisir. Annie Lemoine, vous avez écouté? Soyons clairs, je vous adore. Non, mais depuis toujours. Et j'ai appris que c'était vous qui aviez écrit d'ailleurs la chanson que j'aimais bien, Indochine, J'ai demandé à la Lune. Ouais. Très poétique aussi. Ouais, c'est moi. Alors, c'est quoi votre message politique? On a bien compris, c'est proche des écolos, c'est la nature, c'est anti-citadin, blabla, etc. Je sais ça, on entend les textes. Mais plus clairement, quoi, qu'est-ce que c'est? Mais on n'a vraiment pas de message, c'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai chanté en anglais, un jour je me suis mis à chanter en français, je me suis dit, qu'est-ce que je vais chanter? Je sais pas, ben, je vais dire ce que je pense, je vais m'exprimer comme voter. Un citoyen. Les gens qui vous écoutent, les jeunes qui vous écoutent, vont voter aussi. Donc... Ils se défendent d'être un chanteur ou un groupe engagé, ça vous en défendez régulièrement? Ouais, on n'est pas plus engagé que n'importe quel... personne, n'importe quel citoyen. Il nous arrive de donner les recettes de nos concerts à des petites assos qu'on aime bien, mais on n'est pas des gens qui vont dans la rue. Mais pas militants, ça vous n'aimez pas. Non. Caroline. Mickey 3D, bonjour. Mini 95D, c'est comme ça qu'on appelle. C'est pas mal, ça. Allez. Depuis que Gérard Miller s'est mis à faire de l'humour, je peux bien annoncer des mauvaises vannes de temps en temps. Je suis très embêtée avec votre album, parce que vous m'êtes éminemment sympathique, j'aime bien ce que vous dites dans vos interviews. Mais musicalement, je ne peux pas donner un avis sur votre album. Je n'ai pas le droit. Voilà, j'estime que je n'ai pas le droit, parce que c'est tellement pas mon univers ou ce que j'aime, que je ne suis vraiment pas en mesure de dire... Qu'est-ce qui vous dérange dans ces chansons-là? Rien ne me dérange, justement. C'est-à-dire que je sens bien que c'est de qualité, mais... Quand vous chantez quelque chose et de très bonne qualité, mais que pour autant vous n'avez pas envie de le mettre en boucle sur votre platine, il faut en déduire quoi? Que je suis une connasse? C'est possible. Mais laissons l'hypothèse. Laissons l'hypothèse de côté, voilà. Beaucoup trop facile. Donc voilà, ça n'empêche pas que quand je lis vos textes et quand je vous écoute, eh ben, j'ai du plaisir parce que j'aime écouter les gens intelligents parler. Alors moi, je n'ai pas vu du tout un chanteur engagé. Moi, je trouve que vous souffrez du syndrome de Peter Pan. Parce que quand je lis vos interviews, quand je vous entends, écoutez, quand même quand je lis, quand je serai grand, je fonderai une famille, mais je resterai dans la musique, je ne sais pas faire autre chose. Ça, c'est très bien quand je serai grand, sauf que l'interview a été faite en juin 2005. Non, mais on me demande souvent quand c'est que tu feras des enfants, je dis quand je serai grand, voilà. Voilà. Parce que je ne suis pas encore grand, mais c'est vrai. Et quand vous dites que je serai toujours nostalgique de mes 17 ans, je pense que les choses qui m'ont le plus excité dans la vie sont derrière moi. Ouais. Mais comme tout le monde. Non. Bah, les gens qui ont eu une enfance et une adolescence heureuse, ils sont... C'est Jacques Brel qui disait « Moi, j'ai eu une enfance horrible, aujourd'hui, je m'éclate. » Et les gens qui ont eu une enfance et une adolescence géniale, ils se font chier quand ils sont grands. Gueluc. Contrairement à Caroline, ça ne fait pas partie de ma culture musicale. C'est vrai que je suis plutôt attiré par les mélodies. Et chez vous, il y a une magie qui me touche. Et je suis client à 100%. Je voulais juste une de vos déclarations, vous, en parlant de la composition, vous dites « Les paroles peuvent partir d'une phrase, d'une simple idée, d'une envie de parler de ci ou de ça. » Il n'y a pas de recette. Dans une autre interview, vous dites, durant notre prochaine tournée, on donnera les recettes à certains à des associations. Comment allez-vous faire s'il n'y a pas de recettes? Bon, ça, c'est rien. Non, je voulais juste vous faire parler de ce que Laurent a dit tout à l'heure. Il dit, vous avez ramé pendant 15 ans. On dit souvent que des artistes qui commencent, qui galèrent, qui rament. Or, vous faisiez, si je ne me trompe, ce que vous rêviez de faire, c'est-à-dire déconner avec des copains, faire... Alors, est-ce que c'est vraiment ramé, ça? Non, c'est pas ramé, non. Moi, on n'avait pas d'argent, mais moi, j'aimais ça me faisait vibrer, autant que maintenant, même peut-être plus. Et on n'a jamais eu de plan de carrière. C'est pour ça qu'on déclare ce qu'on veut, on s'en fout. On peut dire ça. Non, on peut dire ce qu'on veut sur nous, si madame préfère les mélodies de Michel Sardou. Voilà. Mais, c'est pour toi, Maureen. Non, je ne veux pas le laisser faire parce qu'il déteste Michel Sardou, parce que j'ai lu une interview où il en parle mal à cause de ses idées, certainement. Donc, quand j'ai dit que j'aimais les mélodies, je n'ai pas précisé Michel Sardou. D'accord. Ses idées, peut-être, mais ses mélodies, elles sont comme ça, Caroline. Gérard. Si un jour, Mickey, vous venez chez moi, ça n'est pas une invitation, c'est une formule de rhétorique, vous apercevrez que chez moi, il y a un lieu très particulier que j'appelle ma chambre, parce que justement, c'est ma chambre. Le donjon, en fait, qui s'appelle un donjon. Dans ma chambre, il y a un certain nombre d'artistes que, contrairement à Caroline, de disques d'artistes que j'écoute...
Non, non, je sais. C'est dans le donjon, ils se sont des ménestrels. Qui bisous le bad pendant qu'il rame. Que j'écoute en boucle. Il y a Benabar, il y a Khalil, il y a Ridane, il y a vous. C'est-à-dire, je ne sais pas si mes petits camarades et un certain nombre de gens, peut-être qui vous connaissent pas encore suffisamment, se rendent compte que vous êtes l'un des meilleurs groupes français. C'est-à-dire que votre allure, vrai, un peu dégingandée, raison, ouais, un peu, je dois dire, particulièrement même beaucoup modeste, évidemment qu'on s'en rend c'est compte, un des meilleurs chanteurs et des meilleurs groupes. Non seulement dans les musiques. Et Mickaël, vous êtes un des types sur lesquels Miller baise. Non. Absolument. Oui. Mais je veux dire, ce qui m'amuse, c'est que souvent on reçoit ici des artistes. Donc ils vous écoutent deux fois par mois, à peu près. On reçoit ici des artistes qui, entre guillemets, on impose par leur carrière, on impose par leur look, par leur façon de parler. Moi, ce que je trouve formidable chez vous, mais vraiment formidable, c'est à quel point vous êtes de bons musiciens, de bons paroliers, et en même temps, vous n'avez pas changé. Merci, c'est très gentil, mais si ça s'arrête demain, on sera très très content. Vous êtes, grâce à vos derniers succès, de plus en plus demandé par d'autres chanteurs. Alors, il y a eu ce duo avec Jane Birkin qui était très marrant, c'était un gag en fait cette chanson. Ah oui, c'était pour s'amuser. Ouais. On parle de Johnny Hallyday, vous allez travailler sur son dernier album à Johnny? Non, c'est Kyo. Moi, j'ai travaillé avec Dick Rivers. Alors, j'ai vu qu'il y avait Dick Rivers, mais à un moment donné, il a été cité aussi Johnny, un projet avec Johnny. Dick est plus rigolo. Ah ouais? Mais ouais, vous l'avez rencontré, Johnny? Non. Non. Non, mais il a rencontré Dick et ça, c'est énorme. Ah ouais, Dick, c'est vachement mieux. Non, parce que plus personne ne le voit jamais. Alors, on va plutôt parler de votre album, Matador, et les dates, parce que vous êtes avant tout aussi un groupe de scène, c'est de là d'où vous venez, de la scène. Alors, si vous voulez voir Mickey 3D, les découvrir, n'hésitez pas, ce sera à Paris l'année prochaine, le 3 mai 2006, avant au Grand Rex, le 9 novembre prochain, et en tournée à travers la France. Merci à vous. Merci à vous. Mickey 3D. Merci. À la fin du mois d'août est sorti Journal d'un instituteur en garde à vue chez Kalman Levy, le livre de M. Anthony Bernabeu, un instit de 35 ans qui en mars 2004 a été mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur le viol supposé d'une enfant scolarisée dans l'établissement dont il était le directeur. Soupçonné pendant de trop longues semaines, M. Bernabeu a finalement été disculpé par l'enquête, mais le traumatisme psychologique est encore là, d'où cet ouvrage rédigé sous forme de journal. Ça a été une façon pour lui de se mettre définitivement hors de tout soupçon. Nous allons tout de suite accueillir ce monsieur, auteur du journal d'un instituteur en garde à vue, Anthony Bernabeu. Monsieur, vous avez eu envie, évidemment, de publier ce livre chez Kalman Levy pour vous soulager, vous, et aussi pour faire connaître un peu mieux la vérité et l'existence de quelqu'un qu'on suspecte pendant quelques heures ou quelques jours, voire quelques semaines, même quand on est disculpé, la rumeur continue à courir. Oui, oui. Pour coucher sur le papier tout ce qui m'a fait mal, tout ce qui a fait mal à ma famille, et puis aussi pour faire passer un message quand même à la justice, à la police, la gendarmerie. À la justice ou à la police? Parce que finalement, la justice, elle vous a innocenté. C'est peut-être la police à qui vous en voulez le plus. Non. Non? Non, je n'avais pas particulièrement à la gendarmerie, parce que la gendarmerie, si vous voulez, ils ont fait leur boulot. Je pense, j'ai l'impression, du mieux qu'ils ont pu, en essayant de faire le moins de dégâts possible. J'en veux plus particulièrement quand même aux services sociaux qui ont effectué ce signalement. À l'origine, en fait, si vous voulez, parce que je pense que l'enquête était évitable. Mais quel est le point de départ? Qu'est-ce qui déclenche tout ça au départ? Le point de départ se situe en octobre 2003. L'enfant qui ne veut plus aller à l'école, qui fait des caprices tous les matins, il refuse absolument d'aller à l'école. Quel âge l'enfant à ce moment-là? L'enfant, 3 ans, scolarisé en classe de maternelle dans la classe de mon épouse. Et donc c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a tout qui dérape, parce que les parents, au lieu de venir nous voir en discuter avec nous, c'est un cas très classique, hein, ils s'enferment dans un scénario diabolique qui va, je pense, les faire énormément souffrir, d'ailleurs. Et ils commencent à s'imaginer des choses. Ils se rapprochent des services sociaux, et puis là, c'est la machine qui se met en marche. Les services sociaux, au lieu de se rendre compte que cet enfant, en fait, ne voulait plus aller à l'école parce qu'il avait découvert que sa maman était enceinte d'un second petit garçon, et que donc il n'allait plus être l'enfant unique dans la famille, ce qui entraînait ce comportement chez lui. Donc les services sociaux, au lieu de se rendre compte que ces parents-là, finalement, ils étaient en souffrance, ils avaient besoin d'un coup de main, au lieu de réaliser tout ça, ils les laissent s'enfermer dans ce scénario qui est effroyable, et puis ils balancent. Ils avaient des raisons de vous en vouloir, ce couple, à votre couple, vous et votre épouse?
Je ne pense pas, je ne les connaissais pas. Non mais qu'est-ce qui peut justifier effectivement que d'un seul coup on se mette à accuser quelqu'un ? Peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a une trop grande médiatisation des affaires de pédophilie. Qu'on lutte sans relâche contre cette horreur qu'est la pédophilie, c'est une évidence. Qu'on médiatise à outrance comme on le fait, je pense que ça peut induire après des comportements comme on voit là, quoi. Parce que la faisabilité était impossible, il n'y a rien qui tienne la route, quoi, dans cette affaire. Et malgré tout, les services sociaux font un signalement, malgré tout, la justice ouvre une enquête. Annie Lemoine, vous avez lu ce livre ? Eh oui. Alors, le journal que vous tenez, c'est sur un mois. Un matin, il ouvre la porte et il y a la gendarmerie qui débarque et qui dit « Monsieur, vous êtes accusé de viol ». C'est très violent. Et j'imagine ce que vous avez ressenti, vous le dites, c'est ça le livre. Ce sentiment d'injustice, le regard des autres, les fouilles, la suspicion. Mais pardonnez-moi, moi je pense à l'enfant. Et je pense à tous les enfants. Il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, quand il y avait une affaire comme celle-là, et quand un instituteur était mis en cause, un professeur, on le déplaçait. L'éducation nationale le tirait, on le mettait ailleurs, on étouffait l'affaire. Mmh. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès, on écoute les enfants qui parlent et on s'interroge, alors là c'est compliqué, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, quelquefois c'est pas vrai. Alors, vous êtes presque un dommage collatéral, c'est ça, il y a un petit pourcentage où, oui, c'était pas vrai, ça peut arriver, vous êtes une victime de ça. Mais globalement, je pense que c'est une excellente chose, évidemment, qu'on écoute maintenant la parole des enfants. Vous êtes d'accord avec moi ? Je suis entièrement d'accord avec vous, si ce n'est que le rôle peut-être des experts est à redéfinir, parce que dans mon affaire, les experts... Quand même, au début de l'affaire, on me dit l'enfant est violé avec un objet d'une dizaine de centimètres de long. À la fin de l'affaire, on me dit anus irrité. Je demande quand même des explications. On me dit une bonne diarrhée a pu provoquer cette irritation anale. La parole de l'enfant est importantissime. Et je suis entièrement d'accord avec vous qu'il faut écouter les enfants. Mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, quand même, on les prend pour des anges. Les enfants sont des êtres extraordinaires, mais ce sont des petits humains qui, des fois... affabule, mente. Ça peut arriver. Bon, chez un enfant de 3 ans, on va plutôt voir... c'est pas de la fabulation, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à dire des choses qu'il souhaiterait et les présenter comme réelles. Mais quand vous dites un enfant de 3 ans va présenter les choses comme il souhaite qu'elles soient, vous ne parlez peut-être que de l'affaire qui vous concerne. On sait que dans les témoignages d'enfants, dans les affaires d'abus sexuels, une grande majorité des témoignages et de la parole des enfants sont... parfaitement à prendre en compte. Tout à l'heure, vous disiez, vous faites partie des infimes pourcentages de dommages collatéraux, je ne suis pas d'accord du tout. C'est l'inverse qui se produit. Il y a énormément d'enseignants qui vivent, et de non-enseignants d'ailleurs, hein. Depuis que j'ai écrit ce livre, des témoignages me parviennent de personnes qui ont vécu des choses aussi effroyables que ce que j'ai vécu, même bien pire, et qui ne sont pas obligatoirement des enseignants. Et donc... Je voulais faire cette petite mise au point parce que... Le scandale d'Outreau aussi, tout récemment. C'est extraordinaire. Moi, ce qui me scandalise absolument dans votre histoire, c'est qu'on vient vous chercher à 3 bagnoles de gendarmes devant chez vous, donc toute la ville est au courant. On ne pouvait pas vous convoquer dans la discrétion, on ne pouvait pas vous interroger dans la discrétion. Et au moment où la justice aurait eu des doutes, très bien, elle peut poursuivre. Donc ce qui est le plus scandaleux dans cette histoire, c'est pas qu'on ait écouté cet enfant, ça me semble indispensable pour tous les enfants, c'est qu'on ait essayé de faire justice dès le début de façon spectaculaire. Moi je vais vous dire, je connais plein d'affaires où il y a eu des soupçons graves, les personnes ont été entendues, on est même allé chez eux enquêter, mais personne n'a su quoi que ce soit dans l'entourage, et ces gens étaient innocents. C'est 2 affaires différentes. Maureen, qui voulait dire quelque chose? Moi j'ai 2 petits garçons, un de 4 ans et demi et un de 2 ans. Et le problème quand... à la lecture de votre livre, c'est que je ne sais toujours pas ce que je dois faire si un jour mon fils rentre de l'école et me dit « on m'a touché » ou bien si à partir du moment où il ne veut plus aller à l'école. C'est ça l'histoire, c'est que vous êtes vraiment assez... Enfin, vous en voulez beaucoup aux assistants sociaux. Oui, parce que eux, ce sont des professionnels, madame. Vous êtes maman, donc c'est logique. Vous allez réagir avec vos tripes, avec votre amour envers vos enfants. Donc il est logique, il est normal que vous ne sachiez pas comment réagir. Donc vous tournez vers des professionnels. Soit vous trouvez la solution vous-même, votre enfant ne veut plus aller à l'école, parce que l'enfant, moi, à la mi-octobre, apparemment, d'après ce qu'a dit l'enquête, il ne disait pas que... Il n'a jamais dit, d'ailleurs, que je l'avais violé. Il faut quand même le préciser, quoi. C'est la maman qui a dit... Monsieur Bernabeu organise dans l'école des parties de cache-cache tout nus. Et il prend en photo les enfants avec un appareil photo numérique. C'est ce qu'a dit mon petit de 3 ans. Remettons les choses à leur place. Mais bon, ça fait partie de l'enquête. Il vous arrive la même chose
Si votre enfant ne veut plus aller à l'école, je pense que la première démarche, c'est d'aller voir l'enseignant, lui dire qu'est-ce qui se passe en classe. Mon gamin, en ce moment, il n'est pas ravi de venir. Mais quand même, ça me paraît une réaction saine, normale, de dialogue avec l'enseignant. Je vous interromps, mais écoutez, Laurent, non. Vous voyez pas, moi je suis surpris de ce que dit Maureen, c'est-à-dire qu'elle se met, elle a deux petits enfants, elle se met déjà dans la peau où éventuellement un de ses enfants serait touché par un enseignant. Mais pourquoi tu prévois ce cas-là? Il ne faut pas exagérer. N'anticipons pas, ne vous mettez pas dans la tête. Si, anticipons. Il faut le prévoir. C'est tellement vrai que vous-même, vous l'aviez prévu. Dès le début du livre, vous dites, j'avais envisagé un jour pouvoir être accusé. Et vous aviez trouvé une réponse, vous avez dit, à ce moment-là, je démissionnerai pour mon honneur. En fait, vous avez changé de bouquin, donc forcément, vous avez changé d'attitude. Après, quand on s'y retrouve confronté, ça arrive à des collègues, ça arrive à d'autres personnes. Bon, c'est pas nous. Et puis, le jour où ça nous arrive, c'est effroyable. Gueluc. Oui, il y a une chose qui me trouble un petit peu dans votre livre, c'est que ce soit justement devenu un livre. Le fait que ça devienne un livre et de vous en entendre parler en parlant de l'enfant qui peut être dissimulateur, menteur, je n'ai qu'une seule crainte. Menteur, c'est que votre livre n'affaiblisse la parole de l'enfant en général. Et je ne voudrais pas que ce soit l'effet... Mais surtout, pour compléter ce que vous dites, ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, on doit avoir envie surtout que tout ça s'arrête, que tout ça stoppe. Pour certains téléspectateurs, même, vous allez redonner un doute sur votre propre cas. Vous-même. Non ? Non, parce que j'ai ma conscience pour moi. D'accord. Et je veux dire, c'est qu'on ne se trompe pas, le propos de mon livre n'est absolument pas de remettre en doute la parole de l'enfant. Je ne parle pas de votre volonté, je parle de l'effet qui pourrait en découler. C'est vrai que vous avez été une victime dans cette affaire, mais l'enfant, d'ailleurs l'enquête n'est pas terminée. Je trouve dommage qu'on ne termine pas le livre sur un mot pour l'enfant. Parce que l'enfant, est-ce qu'on sait s'il y a eu abus? J'y pense parce qu'il y a tout de même eu enfant. Un certificat médical qui affirmait qu'il y avait un abus. Alors est-ce que c'était une irritation? Est-ce que c'était quelque chose? On ne sait pas. Non. Et moi, ce qui me trouble, non plus, je ne sais toujours pas. Je voudrais savoir s'il y a eu vraiment quelque chose qui en est responsable et que l'enquête puisse mener à la vérité. Jean Benguigui. Moi, écoutez, j'ai été très touché par le livre pour plein de raisons. Moi, je suis un enfant d'instituteur, toute ma famille d'instituteurs, ils ont tous vécu dans des écoles. Moi-même, j'ai habité dans des écoles quand j'étais petit avec ma mère qui était institutrice. Et c'est vrai que j'ai vu ces classes uniques, ces choses-là. Et j'ai vu, et c'est là où le bouquin est intéressant, c'est que l'intimité qu'il y avait entre un instituteur et ses enfants. Moi, c'était en Algérie, par exemple, les enfants n'avaient pas de salle de bain chez eux. Eh bien, c'était les instituteurs qui leur donnaient la douche. C'est les artisans qui leur faisaient des shampoings pour les épouiller. Avec quoi ils ont fait ton shampoing? tu vois ce que je veux dire? Il y avait une espèce d'innocence générale qui faisait qu'on pouvait prendre un petit, et parce que quand les petits sont au cours préparatoire, ils ne savent pas encore s'essuyer le derrière. Donc c'était le maître ou la maîtresse qui allait lui essuyer le derrière. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'espèce de terreur absolue, en disant la parole de l'enfant, il faut s'en méfier, la pédophilie est partout, un instituteur ne peut plus s'occuper d'un enfant physiquement. Ça, c'est sûr. Il ne veut plus les embrasser. Non. Mais non. Le maître de mon fils, il veut... Ah ben non, mais c'est une évidence. Si un taré qui vient dire... Évidence. C'est une évidence pour vous. Oui. Caroline. Ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est la façon dont il est écrit sous forme de journal, parce que du coup, c'est très factuel, ça évite les envolées lyriques et on reste proche des faits et du moment où ils se sont passés. Donc on plonge avec vous dans ce gouffre. Donc la première atrocité, qui doit être le cauchemar, je pense, de 99% des gens qui nous regardent, c'est d'être accusé à tort. Donc ça, effectivement, on s'est senti proche de vous. Maintenant, effectivement, je rejoins Annie et plusieurs de mes camarades par rapport à l'enfant. Il faut admettre que vous êtes un être humain avec toutes les faiblesses de l'être humain et qu'il est humain, et on ne peut plus humain, que votre propos et votre problème dans ce qui vous arrivait ne soit pas cet enfant. Et votre analyse, du coup, de ce qui se passe de l'autre côté dans cette famille est un peu simpliste. La mère enceinte, donc le môme veut se faire remarquer, donc machin. Il y a aussi un autre problème qu'il faut évoquer, et je pense qu'il est important dans votre situation. Vous êtes dans un tout petit village. C'est-à-dire que la discrétion dans un petit village, si j'allais m'acheter une religieuse au café dans une boulangerie d'un petit village, le village serait au courant. Donc malheureusement, voilà. La discrétion est impossible. Ça a beaucoup de... Et ça t'en a mangé des religieuses, toi. Et je m'excuse, mais toute la France est au courant. Rien qu'en regardant. Donc c'est pas la peine. Alors dis pas ton diététicien, je suis au régime. Voilà, ce qui vous est arrivé est atroce. N'oublions pas que, voilà, s'il y a le moindre doute sur la parole d'un enfant, malheureusement, malgré tout ce qui vous est arrivé, il faut les écouter. J'ajouterais juste un point. Tout le monde vous demande ici, mais pourquoi vous avez écrit ce livre? Moi, je vais vous dire, parce que vous en aviez envie, parce que c'est votre droit. Moi, je trouve que lorsque quelqu'un qui est reconnu innocent ou qui a vécu un traumatisme
a envie d'écrire un livre, eh ben il le fait. Vous êtes reconnu innocent par la justice, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'en parler, on n'a jamais dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. C'est pas l'envie de le faire. C'est de réfléchir aussi aux conséquences de la publication. Oui, mais il a réfléchi, il a estimé qu'il a préféré prendre cette position. C'est son droit. Mais on a le droit de dire nous aussi que c'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est autre chose. Mais parce que vous ne l'avez pas vécu aussi, si je puis me permettre. Parce que pour moi, au contraire, garder le silence, chercher à étouffer cette affaire, c'était revenir, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, c'était revenir un peu comme dans les années 70, on cherche à étouffer. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à me reprocher, et j'ai eu envie d'écrire ce livre, justement. Pour le clamer. Pour le clamer, et peut-être pour que, comme j'ai dit en introduction, pour que la justice et les services sociaux, mes collègues enseignants aussi, fassent peut-être plus attention au moment où ils signalent. Parce que j'ai des collègues aussi qui ont fait cette erreur-là. Immédiatement, on fait un signalement. J'ai le même pouvoir, je l'écris dans le livre. Dans mon bureau de directeur, à côté du fax, j'ai le numéro du fax du procureur. Je peux faire la même chose tous les jours. Si vous voulez connaître ce témoignage, ça s'appelle « Journal d'un instituteur en garde à vue ». C'est chez Kalman Lévy. C'est signé Anthony Bernabeu, qui était notre invité. Merci, monsieur. Dès demain, Michel Boujna sera au théâtre du Gymnase Marie-Belle à Paris pour son spectacle Les Nouveaux Magnifiques, une version revisitée d'un spectacle créé par lui il y a 20 ans et qui s'appelait à l'époque, souvenez-vous, Les Magnifiques. L'histoire, c'est toujours celle de trois grands-pères tunisiens qui se demandent si dans quelques années, les gens se souviendront de qui ils étaient, d'où ils venaient et de comment ils pensaient. Après l'immense succès de son premier film en tant que réalisateur père et fils, Michel Boujna est donc de retour sur scène. C'est courageux parce que peu de gens comme ça reviennent au one-man show après un tel succès. Alors accueillons pour cette occasion Michel Boujna. Bonsoir et bienvenue. Je disais, c'est courageux, ne le prenez pas mal, c'était pas dans le sens où, je sais qu'évidemment à chaque fois ça a été des succès quand vous faisiez du one man, mais courageux dans le sens où c'est vrai qu'après tout, quand on a eu du succès au cinéma, en tant que réalisateur en plus, après l'avoir eu ce succès en tant qu'acteur, on pourrait se dire, tiens, il va préparer un film, il va pas remonter sur scène, se mettre à nouveau en danger, parce que c'est se mettre en danger que d'être sur scène à chaque fois, avec ce spectacle que vous avez créé à Nice, je crois, et qui se joue donc à Paris à partir de demain. J'ai fait père et fils, on a beaucoup travaillé, on a été récompensé. Je me suis retrouvé à la maison, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, rappelons que Père et Fils, c'est le film avec Noiret, film qui a eu un énorme succès. Il faut pas exagérer, il a bien marché, on va dire. Énorme, oh, il y a plus. Hein. Oui, enfin, quand même. Mais ça s'est très bien passé. On a signé le second. Et donc, vous avez déjà fixé mis la barre quelque part pour votre promenade à poil à la Concorde? Oui, mais là, je suis tranquille. J'ai mis le paquet. À combien? C'est impossible. Dites combien. Il faut que je fasse 250 millions à Belleville. Voilà. Donc, comme ça, jamais plus je me mettrai tout nu. En tout cas, pas seul. C'était le pari sur le film précédent, en tout cas. Et puis, je me suis dit, bon, ça fait 20 ans que je n'ai pas joué des Magnifiques. Dans le spectacle, il y avait une phrase que j'aimais bien qui disait « Tant qu'il y a des acteurs pour nous jouer et des auteurs pour nous écrire, on sera éternel. » Ça paraît la mémoire. Je venais de faire un film sur le père. J'ai dit « Je vais reprendre les Magnifiques. » Je vais faire un kiff. J'ai joué 30 fois. Que 30 fois. Et au bout d'une semaine, j'avais changé un quart d'heure. Et au bout de 3 semaines, j'avais changé 1 h 15 de spectacle. C'était plus le même. Alors j'ai appelé ça Les Nouveaux Magnifiques. Et puis quand j'ai commencé à jouer, j'ai dit, c'est tellement un kiff de jouer ce spectacle, pourquoi je vais jouer que 30 fois, moi? Qu'est-ce que tu dis, alors? Et voilà, les choses se sont... Et puis évidemment, comme j'écris en parlant, et tous les soirs, j'ai fait évoluer le spectacle, tous les soirs, il a changé, tous les soirs... Les gens qui l'ont vu à Nice et qui l'ont vu il n'y a pas longtemps à Valenciennes, ils m'ont dit, c'est pas le même spectacle. Donc c'est idiot de le conseiller à quelqu'un quand on l'a vu. surtout, ne vous inquiétez pas, ne le conseillez pas. C'est à partir de demain au théâtre du Gymnase Marie-Belle, les nouveaux magnifiques, signés Michel Boujna, Gérard Miller. Alors, vous aviez vu, j'imagine, les anciens, on va parler comme ça, les anciens magnifiques. J'ai pas dû rater grand-chose de la carrière de Boujna et je dois même être un des rares ici et dans le public. Est-ce qu'il est dans ta chambre? Est-ce qu'il est dans ta chambre? Avoir lu l'hebdomadaire, c'est-à-dire le journal d'extrême gauche. L'hebdomadaire, le journal d'extrême gauche qu'il faisait lorsqu'il avait une quinzaine d'années. C'est incroyable, ça. Voilà. Mais non, c'est pas incroyable, c'est écrit dans la documentation. Il vous raconte n'importe quoi. Il essaie de vous faire le frère. C'est très...
Il essaye de nous faire le coup depuis des années. Et on marche. Non, mais c'est très rare. C'est incroyable que vous connaissiez. Mais écoutez, excuse-moi Gérard, vous mais je dois tout de même le dire devant la France, ce type est un imposteur. Parce que ce qu'il vous dit, c'est émission... ça. Tout à l'heure, il dit à Mickey 3D qu'il l'a dans sa chambre, qu'il écoute en Il nous a dit qu'il détestait Mickey 3D. Il a dit au type qu'on a reçu tout l'instituteur accusé de pédophilie. Quand il en parlait tout à l'heure, il disait tout à l'heure, on reçoit un pédophile, vous allez voir, je vais en mettre pas la gueule. Et il est comme ça, Gérard. Il est comme ça. Et Gérard, on le trouvait où alors ce journal, l'hebdomadaire? Alors l'hebdomadaire, c'était un journal évidemment qui n'était pas vendu dans les kiosques. C'était un journal militant, un petit journal. Et enfin bon, ça va, n'essayez pas de me piéger là-dessus. Ce qui m'amuse, c'est quand ça les arrange que je sois gauchiste, ils disent « Ah oui, il était bien gauchiste ». Et quand ça les embête que je vous connaissais à 15 ans, quand vous n'étiez pas encore artiste, ils disent « Oh là là, il va falloir... » Il coûtait combien le journal? Ça va bien. Alors attendez, Maureen veut savoir qui est le plus vieux. Et comment ça se fait qu'il a plus de cheveux blancs que toi? Je suis plus vieux que lui. Parce qu'il travaille, lui. J'ai suivi l'ensemble. Gérard, une longue amitié nous lie, en fait, nos 10 ans de travail commun depuis France Inter. Mais je peux tout vous laisser passer. Mais là, je ne vous crois pas le quart d'une seconde. En tout cas, moi, je fais un grand kiff parce qu'aujourd'hui, vous vous déchirez entre vous. C'est un grand... Continuez comme ça, faites comme si j'étais pas là, la vérité. À la fin, vous rappelez que je joue au gymnase et tout ira bien. Alors moi, j'ai une question. Ouais. Parce que c'est vrai que justement, à vos débuts, vous avez fait du théâtre déjà, et du théâtre collectif, où vous jouiez avec une compagnie à plusieurs. Ça, on ne vous a pas encore vu ça, ou alors c'est que ça m'a échappé, à Paris, de jouer dans une pièce avec d'autres comédiens. Si. Don Juan. Ah oui, Don Juan. Parlez à mon biographe personnel. C'est vrai. Avec Weber. Avec De Sartre. Weber, c'était aussi... Au cinéma. Scène de Rosner. C'est là que je me suis fâché. C'est là où je me suis fâché avec Rosner. Moi aussi. Voilà. Et pourtant, je m'avais proposé le rôle, figure-toi. Ah oui, t'as proposé le rôle. À 4 personnes ensemble. Tu veux que je te dise... Non, de Ganarelle. Tu veux que je te dise, fondamentalement, tu as eu beaucoup de chance de ne pas le faire. D'accord, merci. Parce qu'on a beaucoup souffert. Ça m'a échappé. Parce que moi, je connaissais le Don Juan de Weber au cinéma. Je ne savais pas que vous aviez joué Sganarelle sur scène. J'ai joué au cinéma, j'ai joué sur scène. Sganarelle, c'est un rôle qui m'a poursuivi toute ma vie. Alors que fondamentalement, je ne l'ai pas vraiment cherché. Il faut rappeler que dès 72, vous avez créé une compagnie théâtrale qui s'appelait La Grande Cuillère. Oui. C'est vrai ou pas vrai? Oui, c'est avec Paul Bougenin et Corinne Atlas, c'est dans la documentation. Pas du tout. Avec Paul Alliot. Tu veux savoir avec qui? Avec Paul Alliot. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, ils vont m'apprendre mon métier. Michel, je me trouvais le 4 novembre 52 à Tunis. Oui. Vous êtes né quand et où? Juste avant, je vous ai vu arriver. Ah ben... Moi, je me souviens, Gérard. Je me souviens avoir passé des vacances à Carthage. Ah, franchement, on a passé des bons moments. Oui, 9 mois avant, le 4 novembre. Au club Mickey. Et vous avez entendu des cris dans la chambre d'à côté. C'était mon père et ma mère. C'est ça. Michel. Quand nous aussi, on est capable. Moi, j'ai eu ton père comme médecin. Oui, c'est bien sûr. C'est vrai, ça se voit. Ça, c'est vrai. Vous savez que le 16 avril 2002, j'étais le premier devant le magasin pour acheter votre VHS du spectacle Mon Monde à Moi qui sortait chez Universal. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous lisez bien. En 79, moi je me souviens. C'est une heure qu'il cherche un truc à dire. En 79, moi je me souviens avoir vu ce film superbe. Là, je suis obligé de regarder mes fiches parce que. Mais le titre... qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, je vais te le dire. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pas ce film. Les cafés avec des je vous en supplie, continuez à vous disputer, parlez pas de ce film. Vous jouiez le fils de Robert Castel, moi je prenais un café avec Lucette Saluquet, bistrot d'à côté. Est-ce que vous vous rendez compte, ce film, quand je l'ai vu à la projection, j'avais la tête, elle était rentrée entre mes jambes pratiquement, et j'ai été voir le type qui a fait le film, j'ai dit, monsieur, vous voulez que je vous dise la vérité? J'ai honte. Il n'était pas sorti le film, j'ai honte. Maintenant, il y a deux choses qui m'attendrissent beaucoup quand je pense à ce film. La première, c'est que le chef machinot, qui s'appelle Jojo Pequeño, est venu me voir à la fin... Il est venu me voir après... Qui est ton vrai nom, Jojo? C'est une famille de... Vous savez, dans le cinéma comme dans le théâtre, il y a des dynasties de machinistes et d'électro. Et t'as eu son fils comme machiniste. Absolument. Voilà, et Jojo est venu me voir en me disant, bon, ça, c'est vraiment de la merde ce que tu viens de faire. T'es vraiment pas bon. Le film, c'est de la merde. Mais si tu travailles, tu vas arriver à quelque chose. Et ça m'avait beaucoup touché. La deuxième chose, c'est que la femme qui jouait ma femme dans le film
avec qui j'arrivais pas à faire l'amour parce que j'habitais chez ma mère avec elle. C'est un beau script. Hein. Ouais, le script. Oui, c'est un beau script. Rien que lui, il a pas compris. Et pourtant, il est psychanalyste. Jusqu'à aujourd'hui, il comprend pas pourquoi le type il bandait pas parce qu'il habitait chez sa mère. Et votre femme alors? Eh ben, vous savez qui c'est ma femme? Non. Pauline, ma femme dans le film, c'est une actrice qui est devenue une très grande actrice, qui a été nommée aux Oscars aux États-Unis pour un film qui s'appelle Les Affranchis, qui joue dans un feuilleton que j'adore américain qui s'appelle Les Sopranos, et qui joue la psychanalyste. Lorraine Bracco. Voilà, et qui joue la psychanalyste dans Les Sopranos. Elle a fait son premier film avec moi, j'ai fait mon premier film avec elle, et ça. Chaque fois qu'on s'est croisé avec Lorraine, on a ri. Oui, Gérard, nous aussi, on peut dire des trucs. Parce que moi j'ai fait mieux que vous, Gérard. Ben, oui. La petite fille dans le couffin, vous vous souvenez? C'était moi. Revenons justement au spectacle qui commence demain au Théâtre Gymnase Marie-Belle. Les nouveaux, magnifiques. Voici un extrait. Un extrait. Chez nous, on a un gros problème avec les mères, voilà. C'est-à-dire le type qui survit et une mère juive, il est très fort. C'est vrai, c'est-à-dire que les mères chez nous, elles sont tellement présentes que si, par exemple, la femme d'un type comme nous, le soir, quand il rentre, elle met un déshabillé noir avec des bas noirs et des porte-jatelles noires sur des draps de satin noir, le juif tunisien rentre chez lui, il la regarde comme ça, il fait « Pourquoi noir? Il est arrivé quelque chose à ma mère ?» Elle m'a dit « Y'a pas. » J'ai dit « Y'a pas quoi ?» Elle m'a fait « Y'a pas de mariage, papa. Y'a pas de mariage. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. » J'ai regardé « C'est mon choix, ça se discute, j'ai lu Cosmopolitan, je cours. » Aujourd'hui, la modernité, on se marie pas, on fait des enfants, on fait pas des enfants, on habite ensemble, voilà, c'est la modernité, c'est comme ça. J'ai juste une question à te poser, tu réponds si tu veux, t'es pas obligé, voilà, hein. C'est qui le père? Mais comme ça, tu réponds pas si tu veux pas, hein. Y'a pas papa. Comment y'a pas? Tu dis ça parce qu'il va pas me plaire. Non, papa, y'a pas de papa. Y'a pas de papa, papa. Tu comprends? Non, je comprends pas. Papa, je l'ai fait in vitro, in vitro. C'est un italien. À partir de demain, au Théâtre du Gymnase, Les Nouveaux Magnifiques avec Michel Boujna. En loge, peut-être vous pourrez vous amuser, je sais pas, à faire des jeux vidéo, en vélo, en attendant que le public s'installe. Et pour ça, on a quelqu'un qui va vous aider. Quel enchaînement. Jérôme Bonaldi. Vous avez failli tomber, Jérôme. Je me cache parce que j'ai un coach personnel et je ne voudrais pas qu'il me voie. Oui. Voilà. Et parce qu'il me surveille, il me regarde. Et quand j'arrive et que je rentre dans son champ de vision, à ce moment-là, il me demande un coach personnel. Vous avez une station console de jeu, vous voyez, Play. Oui, voilà. mon fils. Y a, voilà. Vous voyez, il y en a 4 millions en France. Il y a un nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle Kinetic. C'est pour avoir un coach personnel. Imaginez, vous avez un certain âge, vous mangez des pâtes assez tous les jours, vous avez besoin de faire un peu de sport, ou bien au contraire, vous êtes stressé parce qu'il y a un spectacle bientôt au Théâtre du Mogador. Gymnase du Mogador. C'est pas grave. Théâtre du Gymnase. Même Gymnase du Mogador des variétés. À partir du 9 septembre, vous êtes stressé, il faut faire soit des exercices zen, soit au contraire sport de combat, soit au contraire bon pour le cardiaque. Et il y a le coach personnel, c'est le petit jeu qu'on met dedans. Vous connaissez iToy? C'est le petit jeu qu'on met sur la station de jeu, là. Il y a une petite caméra au-dessus, celle-là, d'accord? Vous la mettez sur le téléviseur. Ça existe à 4 millions d'exemplaires, hein, d'accord? Bon, une fois que vous avez réglé, vous dites mon sexe, mon âge, mon poids, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme truc, hop, vous vous mettez devant votre téléviseur, et la caméra, elle vous intègre dans la télé. Ah ouais. Vous voyez le truc? Ah ouais. Voyez le truc. Alors, il y a plusieurs trucs, hein. Il y a le truc zen. Alors, il y a des ballons virtuels, on prend les ballons. Hop, on enlève les ballons. Il y a des ballons qui se coupent en deux. Hop, on fait ça, on fait ça. Moi, je vous ai choisi parce que vous avez besoin de... Je vous ai choisi sport de combat. Faut faire comme ça, vous voulez? Venez, on essaye. Il a pas le choix. Alors voilà, vous rentrez dans le champ de la caméra. Là, mettez-vous là. Là, vous mettez bien au centre. Voilà. Calez-vous sur l'image de l'autre. Elle est où l'image? Elle est là, l'image, là. Voilà, bien au centre. Voilà. Ouais. Et vous avez vu le truc sur le côté? Tapez. Paf, voilà, très bien. Encore un autre. Paf, pif. Ah ouais, mais la bougie à bouge. Voilà. C'est bien. Et maintenant, bah non, que là. Ouais, bravo. Allez, l'autre au pied, le pied droit. Le pied, voilà, le pied droit, le pied droit. Le pied droit, voilà. C'est quand on regarde pas la télé. Hein. Il n'y a pas plus con. Non, parce que... Bravo, Michel. Non, c'est pas mal, quand même. Ah ouais, c'est bien, c'est rigolo. Cela dit, Jérôme, je comprends pas pourquoi vous avez dit qu'il fallait rentrer la taille de son sexe dans le... Non. Quel sexe, quelle tête?
sa taille, son poids, son sa sexe, taille, et son garçon sexe ou fille. L'intéressant, c'est que cette station de jeu là, elle a de la mémoire. Non. 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 On peut rêver. après tout, on peut toujours rêver. C'est drôle, ce que vous venez de faire, oui, ce qui est un peu grivois, oui, vous c'est rare. Oui, c'est très rare. Oui. Comme, c'est difficile. Dans la vie, j'adore ça. Hein. Mais oui, mais pourquoi sur scène, vous l'êtes jamais un peu? La pudeur. Merci. Demandez à mon traducteur personnel. Je vous ai promis, Michel, un jeu vidéo interactif. Ça, vous l'avez eu, ça y est. Jérôme Bonaldi vous l'a montré. Oui. Un vélo aussi, maintenant. Oh, rapidement. On part toujours en voyage. Voilà, enfin, un vrai vélo de voyage. Il est beau. Un vrai pliant. Je dois me lever? Je sais pas. Oui, vous allez faire du vélo, parce que c'est un vrai vélo. D'habitude, j'adore les vélos... J'adore le vélo. Voilà, d'habitude, les vélos... Oh, on a touché à mon vélo. Oh, zut, ça va être ça compliqué. Ça va pas marcher encore. Ça va pas marcher encore. Voilà. Ah, oh, on a touché à mon vélo. Oh, quelqu'un a osé toucher à mon vélo. D'habitude, que les vélos pliants, c'est un peu gadget. C'est toujours... Oh, tandis c'est... que là, pas du tout. Non. Celui-là. Attendez, je claque. Attendez, le je claque. Voilà, ici. Le attention. Danger, c'est fais quand... Fais gaffe, Michel, tac, n'y va pas. Tac, voilà. Ah, les pédales. Regardez les pédales, comment ça marche. On fait chpouf et c'est pas mal. Vélo, un vrai, à trois vitesses, deux pédaliers, c'est pas du gadget. C'est cher. Ah. Ah bah oui, mais c'est pliant et combien c'est made in France. Il y a Jérôme, même le... Vous nous promettez. Ou pliable. Pliable. Il y a ah, même pliable. Jérôme, est-ce que vous nous promettez que si on passe sur une route en pavé, il risque pas de se replier d'un coup? J'aurais promis. Et alors on est pincé dedans. Non, parce vraiment, que vous savez que c'est comme ça que Lance Armstrong a perdu une partie de... Michel Boujna, j'ai une bonne nouvelle pour oui, vous. Oui. Nous ne vous offrons pas ni le jeu vidéo, ni le vélo pliable. Il n'y a pas un mec. Merci Jérôme. Il est lourd. Alors, on a parlé de ces nouveaux magnifiques au théâtre du Gymnase à partir de demain. Vous savez qu'il y a un jeu à la fin de cette émission qui permet oui. d'avoir une promo régulière, même quand vous n'êtes pas là dans cette émission. C'est vrai. C'est vrai. Si vous réussissez à battre les invités précédents, c'est un jeu auquel vous allez participer avec l'ensemble des chroniqueurs. Voici le qui a vu qui a vu quoi. Le classement. On commence par le classement, regardez un peu où on en est. Alors, au fil des semaines, Caroline est toujours en tête avec 3 points, Vandel à l'évêque Miller, pas mal. Les invités numéro 1 qui ont donc le droit encore à une promo ce soir pour leur performance, c'est Lambert Wilson et Emmanuel DeVos qui vont jouer dans Créancier à partir du 13 septembre à Paris. On regarde la suite du classement, on va voir où vous en êtes. Gueluc, 2 points, faut deux vous rattraper. Points, c'est, mal, c'est Jean qui est lanterne rouge. Mais non, mais j'ai été volé lamentablement la semaine dernière. Non. Jean, vous... ah, faut vous rattraper. Je vais me rattraper. Michel, vous voulez une promo en votre absence. Oui. Devinez ce qui se cache derrière une photo. Regardez celle-là, par exemple. Alors, que fait ce monsieur? Il prend son doigt. Il prend une cigarette. Non. Il prend un menthol parce qu'il a une mauvaise haleine. Non. Et qu'on lui a dit... Et il va donner ses empreintes. Il va donner ses empreintes digitales. Il fait un test. Il fait pas un test, c'est pas tout à fait donner ses empreintes. C'est un Égyptien qui dit qu'il a voté. Oui, exactement. Voilà. Mais lequel? Moubarak. Bonne réponse de Philippe. Le président Moubarak. Bravo. Élection présidentielle en Égypte. Et M. Hosni Moubarak s'enduit le doigt d'une encre indélébile avant de pouvoir voter. Regardez cette photo. Que tient ce monsieur dans sa main? Un micro. Un truc transgénique. C'est... Du maïs transgénique. Bonne réponse de Michel Boujna. Michel Boujna, à partir de demain, au Gymnase, dans les nouveaux magnifiques. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est super, super. Photo suivante. Qui est ce monsieur? Dominique c'est... de Villepin. Non, Dominique de Villepin sur la plage de la Baule. Bravo, Jean Benguigui. Autre photo. Qui sont ces deux hommes? Robert Redford et Paul Newman. Robert Redford et Paul Newman, bravo. Bravo. J'allais le dire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ah, ils vont jouer ensemble. Robert Redford, 68 ans, Paul Newman, 80, vont à nouveau partager l'affiche d'un film. C'est quand même génial. Oui, ça. Absolument. Regardez bien cette pas. Autre photo. Regardez bien ah, cette photo. Ah, c'est Michael Douglas. Excusez-moi. Je m'emporte un peu, mais je sens que je marque un quatrième point. Bah ouais, c'est Michael Douglas. Bravo, Caroline. Yeah, dans quelle émission de télé a-t-on vu cet homme?
Ça, c'est un décor de télé de roumain. C'est un théâtre. Est-ce que c'est un théâtre? C'est sur une scène de théâtre. Laissez poser des questions intelligentes. Est-ce que c'est une émission? Est-ce que c'est une émission toute récente? Très récente. En France? Non, pas en France. Ah ouais. Ah, c'est en Turquie? Non plus. Genre, ça passe aux États-Unis? Il se trouve que là, ça doit être la Starac d'un autre pays? Pas du tout. L'incroyable mariage d'un autre pays? Non. Non. C'est aux États-Unis? C'est pas aux États-Unis. C'est un gala de charité? En Italie? C'est pas un gala de charité. C'est un pays de l'Est. Excusez-moi. Non, oui, du tout. C'est un peu bulgare quand même. Comme c'est en Turquie. C'est pas en France. C'est en Asie. Afrique du Nord. Ce n'est pas Afrique du Nord. Au Japon. Ce n'est pas Chine. Japonais. Ce n'est pas chinois. C'est le Maradona, le footballeur brésilien qui chante. Argentin. À Cuba. C'est Maradona, le footballeur argentin qui chante dans une émission en Amérique du Sud. Qui a Nicolas en télévision. Diego Maradona qui a énormément maigri. Bravo Philippe Geluck. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? J'ai lu l'article, c'est un des triomphes de la télévision. Oui. Je l'avais vu et tu l'as pas reconnu. C'est encore pire que nous. Ouais, bah c'est vrai qu'il a maigri. Il a maigri vraiment de façon très spéciale. Ah ouais. Il a perdu 47 kilos. Comment tu fais non. 47 ouais, ouais. Ils lui ont fait un nœud à l'estomac. Non, oui. C'est vrai. Ah non, ils ont fait du cerclage. Du cerclage, c'est sûr, oui. Michel Boujna, oui. Un point, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Vous ne passerez pas en tête des invités. Je suis désolé. Mais je rappelle quand même que demain, on pourra aller vous applaudir. Et pendant de longs mois, il y a une date butoir? Oui, oui, parce qu'à partir du mois de février, je tourne comme acteur. Et en mois de janvier, j'ai des dates de tournée à faire. Donc, cinq, bien sûr, alors, tout va bien. Jusque pour les fêtes de fin d'année, en tout cas. On dit « Ramsa Ohmis » chez nous. Quand quelqu'un vous dit « tout va bien », machin, tout ça, pour éviter que vous ayez le mauvais œil, vous faites « ça va ». Vous faites comme ça. Je dis à tout le monde, comme ça, tout le monde va pouvoir le faire maintenant. Le président Chirac, pour avoir le mauvais œil, aurait dû... Michel Boujna dans les nouveaux magnifiques. Bien sûr qu'on lui souhaite un prompt rétablissement. Enfin, ça fait une semaine qu'on lui souhaite un prompt rétablissement. Manifestement, ça ne marche pas. C'est à partir de demain, les nouveaux magnifiques au gymnase. Merci, Michel Boujna. C'est moi.